Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était Elkinou, il s'agit de l'épisode numéro 2 de Singularity. On va essayer de se rappeler un petit peu de l'histoire. Ça va être un peu compliqué, très honnêtement. Je sais pas s'il y a un journal, tiens, regardez, je pense qu'il n'y en a pas. Professeur Barisov, vous me recevez ? Professeur Barisov, répondez ! Je ne suis même pas sûr que le signal passe. On est presque arrivé au dock. D'après Barisov, la bombe E-99 se trouve à bord du cargo, le Pearl. Ok. Heureusement que le train a tenu le coup. Promenade aurait été longue. Ça commence cash comme ça, quoi. En plus, il y a des fucking... heureuse de vous connaître, Remco. Head crabs. Même si ça a été l'expérience la plus terrifiante de toute ma vie. Trouver le peur, là. Partez devant et localisez ce cargo. Je reste ici pour tenter de contacter le professeur Barisov. Ok. Et faites vite. Demitchev ne doit pas être bien loin. T'arrêtes. Alors, est-ce que on a... objectif, trouver le Pearl. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de journal, on n'a rien. Rien du tout. Rien du tout. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, en gros, on joue... en gros, les Russes ont trouvé un élément qui s'appelle le 99, qui est un élément qui apparemment procurait beaucoup d'énergie, hein. Et cet élément se trouve uniquement sur une île où ils ont bâti donc une base qui s'appelle Katorga 12, si je ne me plante pas. Et du coup, nous on fait partie de l'armée américaine pour enquêter. Ah oui, il y a une grosse singularité qui est apparue au-dessus de l'île, ou pas loin de l'île. Et du coup, nous on est venu enquêter, voir ce qui se passe en fait. Et on se rend compte qu'il y a des problèmes, il y a des petites erreurs. Temporel, on se retrouve phasé entre le présent et le passé, donc on essaie de comprendre ce qui se passe. Et là, si j'ai bien compris, on doit défoncer la base avec une bombe à l'E99 pour pouvoir sauver tout le monde et arrêter la singularité, et tout ça, blablabla, et blablabla. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et c'est en très très gros. On a rencontré un mec qui s'appelle Demi-Chef ou Demi-Chèvre ou Demi-Chef. Oh là là! Russe et t'as tout compris sur tout le blablabla. Ok, merci Jimlao. Merci Marc pour le host, bienvenue. Que dire d'autre? Donc on a rencontré Demi-Chef qui a l'air d'être. Qui est un scientifique qui au final. Qui a aidé à créer tout ça, mais qui au final s'est repenti, enfin se regrette et nous aide. On a aussi rencontré Catherine, qui nous aide aussi, sauf qu'on a lu sur un des murs que il ne faut pas croire la fille. Donc bon, on a battu un boss, deux blancs boss, fouetté à volonté, 90 grammes de punch, de punch, mettre au frais pour sauver le monde. Ok, voilà. Et on ne peut avoir que deux armes à la fois, donc là j'ai la grosse mitraillette de ouf. Et un shotgun que j'ai amélioré comme pas possible. Nous avons aussi ça. Voilà, on peut récupérer des objets et les lancer. On peut aussi rajeunir et vieillir des choses. Je sais pas s'il y a un exemple ici. Yahoo Marc. Il n'y a pas d'exemple là, mais on a un truc qui nous permet de jouer sur le... De transporter les certaines choses dans le passé ou dans le... Oh là là ! Oh là là, Arnaud, merci pour le host aussi. Alors, augmenteur. On a combien ? On sait même pas combien on a de... Ah oui, si, on a 2100, vous voyez pas, c'est en dessous de moi. On récupère en fait de l'E99 au fur et à mesure, et là il y en a 2100. Voilà, Tada, 2100. Voilà. Qui nous permet en fait de booster certaines choses. Donc on peut booster l'équipement, les attributs du héros. Donc là en l'occurrence j'ai monté un petit peu ma santé, un petit peu l'énergie et un petit peu la respiration, que ce soit coûté pas trop cher. On peut aussi augmenter les dégâts de l'impulsion. Ah, comment on fait déjà l'impulsion? Je sais même plus. Ah, c'est le bouton du milieu, je crois. La durée et la taille du cadenas, je ne sais plus ce que c'est.
Et augmente la précision des armes. Rapport de l'énergie MT. Fouille experte. Les ennemis et les butins rapportent plus de munitions. Possibilité d'obtenir le double ramassant de technologie. Ça, ça va l'air assez OP comme truc. Mais pour l'instant, je ne vais rien faire. Je ne vais pas faire de conneries. Pour l'instant, en tout cas. Ok, allez. C'est parti. On va aller par là pour voir. Ah, voilà, très bon exemple. Hop, hop, hop. Un pont. Qu'est-ce que ça se voit recharger? Là, y'a rien. Manifeste de cargaison. Léna, départ, transport de déchets minerais, 99 statues, Pearl, arrivée, transport d'acier, blablabla, on s'en fout. Ok. Elki, dis-moi que t'as vu le dernier Discovery. J'ai vu le dernier Discovery. Donc là, on a restauré... on a restauré le tableau noir, alors on peut aussi le redégrader. Et des fois, on trouve des informations intéressantes. En l'occurrence, là, j'ai pas l'impression. Je planque. Dame, j'ai une patate, je me suis écouté 2 heures de foule qui chante en concert sur YouTube. Que du love. 2 heures de foule qui chante. Une... La... Qui chante quoi? Juste, c'est la foule qui chante, c'est ça? Ah, mais attendez. Il faudrait trouver un... Là, il nous faut une caisse. Pour... Ah. Non, on peut pas, là. Il nous faut une caisse, là. Comment on fait pour... Ou alors, est-ce qu'on peut... Ah! Tac, tac, tac. Magnifique. Star Trek Discovery a repris. La saison 2 vient de finir, ouais. Tu retardes un petit peu. Ok. Ah voilà. Il nous faut ça en fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'il n'y a rien ici. Hein. Ok. T'as frissonné? Ouais. Moi, pas tant que ça en fait. Un petit peu. Enfin, je veux dire, c'était cool quoi. Mais il y a encore. Il y a les trucs qui me gênent. Je fais le difficile. Hein. Par contre, j'ai hâte à la prochaine série qu'ils ont annoncé là, Marc. Prochaine série Star Trek. Du coup, sans spoiler, bien sûr, t'en as pensé quoi? C'était cool. J'ai hâte à la suite. J'ai hâte à la suite. J'aurais. C'est pas mal qu'ils aient bouclé certaines boucles en fait. Je trouve ça cool. Il y a beaucoup de fan service. Je trouvais ça sympa. Je suis curieux. Oh putain! Ok. Ah mais j'ai pris cher en fait. Je suis curieux de savoir en fait comment ils vont commencer la saison 3 en fait. Ouais, ils ont annoncé une autre série Star Trek. Je sais pas si, je suis pas sûr du nom, mais on dirait que c'est Star Trek Picard en fait. Donc en gros t'as Patrick Stewart, Jean-Luc Picard. Qui sera, et ce sera le héros principal. L'idée, c'est de faire une série sur 20 ans après Next Generation, en fait, sur Picard. Je sais pas trop exactement, ils sont en train de le tourner là, en fait. Je sais pas trop exactement de quoi ils vont parler. Enfin, est-ce que ça va être sur la Terre? Il prend sa retraite? Est-ce que ça va être dans un vaisseau? Je sais pas. C'est. C'est bizarre, on verra bien. Mais ouais, ça a été annoncé. Patrick Picard, Star Trek surgelé. Alors là, venant d'un Trekkie, Marc, tu perds dans mon estime, là. Tu perds grave de mon estime. Barisov s'est trompé.
Ah bon? On m'aurait menti? Comment on fait pour se soigner Ah ouais. Ok. Nuage bleu indique que les objets des phases ne disparaissent pas lorsque vous retirez un objet, ça signifie que vous pouvez en déplacer un autre pour le remplacer. Ah ok, d'accord. Ok. Oh, mais je l'utilise où ce truc là? Ok. Ça, j'ai entendu du groumf là. Yeah, ok. J'ai mal à me remettre dedans là. Toi t'es mort. Moi j'étais dans ton estime. Ouais, mais là, plus ça va et moins tu l'es. Hein. Oh là là. Comment on peut attirer ça? Ok. Passer... Ah oui, d'accord, ok, j'ai capté. Viens là, toi. Ch'toink. Ch'toink. Yeah. Oh là là! On revient. Ah mais non mais tu... Ok. Ah. Tu peux pas aller plus loin? Ah ça veut pas partir super loin en fait. Hein. Ok. Ah on va le faire comme ça. Voilà. Ok. Oh un baril qui n'explose. Okay. Bref, c'était un extrait de ma vie d'ancien fan Sonic. De quoi? Hein? J'ai découvert un hack de Sonic 3 et Knuckles nommé Sonic. Jim Lao qui parle toujours d'un truc complètement différent. Nommé Sonic 3R, il faut avoir le jeu sur Steam pour y jouer. Jeu original émulé sur Mega Drive, ça ajoute un mode 16/9, des achievements et notre bonus, c'est très cool. Bref, c'était un extrait de ma vie d'ancien fan de Sonic sur Mega Drive. Ok. Du coup, la dernière fois que je dormais, j'avais pas vu que tu pouvais faire vieillir et régénérer les objets, c'est cool. Ouais, j'aime beaucoup la mécanique aussi. Putain, mais j'ai ton stream en 360p et j'ai des frises dessus, c'est quoi ce délire? Je ne sais pas quoi te dire. C'est Twitch qui m'aime pas en fait. Twitch aime pas mes réglages. Ah, c'est fermé. J'aurais peut-être dû mettre le truc en dessous avant. Hélico en approche, faites attention. T'inquiète, l'hélico, je vais le. Ok. Je suis un petit peu tout lent aujourd'hui, je pense que c'est peut-être les Guinness là qui me. Ça vient de sauvegarder. Il y a une tête de mort sur la porte. Je vous le dis tout de suite, je le sens pas. Ok. Ok. Objectif atteint. Ça pue grave. Fusil Seeker, contre quoi? Contre ça?
Ah non, c'est en plus, c'est vrai. Ok, yes. J'ai 12 munitions. Wouah! Rentre, 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 cache-toi. Oh merde. On est reparti dans le passé là. 55. Ouais, on est reparti dans le passé. Je pensais que ça allait être un truc qui allait exploser, mais. Sinon, j'ai vu sur YouTube qu'il y a genre zéro vidéo de l'LBA de français. C'est totalement probable vu que c'est un jeu français. Du coup, ni d'y rejouer en fait. Ouais, j'ai prévu d'y le faire. Ce sera un dimanche. Ce sera potentiellement après le dungeon crawler que j'ai envie de faire un dungeon crawler là, le dimanche. Ce sera potentiellement après ça. On s'amuse avec le sticker ou quoi? Allez, on s'amuse avec le sticker. Comment c'est vraiment pas nécessaire? Et complètement inutile. Les jambes! Ah! T'as plus de jambes, t'as plus de bras, t'as plus rien de toute façon. Il y en a encore un. Hein. Ils sont où? Il est où? Oh. Là! Ah, il y en a un là, voilà. Ah mais... Hein? Il semblait qu'il y en avait un autre qui... Oh, il était derrière, tiens, boum. Je vais dépenser toutes les munitions, mais c'est pas grave, de toute façon, si je change d'arme, ça le laisse tomber en fait, c'est une arme en plus en fait. Oh, j'aurais pu faire tomber le truc là. Il y en a encore un. Ah, il est là-bas. Il est loin. Ils sont deux même. Oh, bouclier, monsieur! Merde! Il fait chier le bouclier. Bon, on se calme. Je suis en train de faire. Par où je me fais canarder en fait? Oh, il y a deux fucking. Je vous avais pas vu ces deux cons. Hop là. Ah, il y a un truc qui a fait boum. Putain, mais y a... Ah merde, on peut pas rester. Pas trop rester comme ça, ok. Vous avez vu, Twitter a totalement changé de look sur PC. Ah bon? Non, j'ai pas vu. Je me sers de TweetDeck moi en même temps, donc je regarde très rarement Twitter en fait. La la la. Encore. C'est rigolo. Plus qu'une balle, allez. Merde, ils sont deux là. Non. Go. Ok. Ils sont où, c'est con putain. Là j'aimerais bien un snipe aussi en fait. Ah mais ok, d'accord.
Ah, mais hé, il y en a un autre. Il y en a un autre. Merde. Ouais, faut que je tire sur le truc, ok. J'ai aucun choix, que le 720. Il y a le choix de la qualité. C'est certains qui ont le choix et pas d'autres. C'est bizarre ça. Excellence contre le trajectoire des balles. Ouais, ouais, non, c'est franchement bien. C'est sympa. Ça sert un petit peu à rien dans le sens où. Enfin voilà, ça est tellement plus simple. Avec avec juste sur les butées normalement en fait. Ouais, y a toujours un mec qui reste dans un coin, qui attaque jamais et qui préfère des trucs en russe. Ah, il est là. Je suis pas dedans. Je suis un peu fatigué. J'ai accès à l'accessibilité au nouveau design 2019 de Twitter Desktop. Ah d'accord, ok. C'est TweetDeck. Twitter Desktop. Non, on est d'accord. De toute façon, ils ont racheté TweetDeck Twitter il y a un moment déjà. Descends. Merci. Ok. Bon, après, c'est très amusé à exploser des nazis. C'est quand même très amusant d'exploser des nazis, il faut bien le dire. Qu'est-ce qui se passe? Encore? Mon seeker! Renko, j'espère que tout va bien. J'ai perdu votre signal pendant plusieurs secondes. J'ai réussi à contacter Barisov. Le capitaine Renko doit avoir rencontré une autre anomalie temporelle, sans doute provoquée par la bombe AE-99. L'immersion dans le port a peut-être rendu la bombe instable. Bon, le cargo est donc au fond de l'eau. On fait quoi maintenant? C'est simple, Renko va utiliser le MT. Capitaine, il y a une plateforme d'amplification endommagée sur les docks. Réparez les accumulateurs en dessous et vous pourrez renflouer le port. Ok. Réactiver la plateforme d'amplification MT. MT, ça veut dire manipulation temporelle, on est d'accord. Ça ressemble beaucoup au Twitter habituel. C'est une chat sur Discord. J'ai jamais d'écrire Discord sans écrire Discord, les corriger après. Mais lol. Ok. Oh. Pardon. Journal du contremaître, 20 novembre 1954. C'est le troisième bateau qui est arrivé en deux semaines. C'est stupéfiant de voir tout ce qui est débarqué sur Katorga, tout ce qui est débarqué sur Katorga 12 et de constater la vitesse à laquelle tout change. Cependant, je ne sais pas si on peut tenir longtemps à cette cadence. Les ouvriers sont épuisés. Un jour ou l'autre, un accident va se produire. Ok. Ok. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée ce que je suis en train de faire. Deux secondes. Ok. On va prendre ça en fait. Ok. Ah, je peux pas. Ok. Ça va peut-être piquer alors. Non. Ah bah si, ça va piquer. Non, non, oui. Aïe, techno-arme, je prends. Merci. Ah, mais j'ai à fond de quoi respirer là en fait. Voilà. Ça va virer. Merci. C'est quoi ça? Ah. Ah, faut que je mette là. Tiens. Yes. Maintenant faut que je soulève le peur là. Ok. Easy, non? Oups, pardon.
Tac. Ta da ta da ta da. Oh! Mais. Alors ça. Putain, mais. Putain, là là. Qu'est-ce que c'est lourd? Non. Merci. Plan d'équipement, vous avez découvert une pierre de coup. Rapport de l'énergie MT quand vous ramassez les munitions. Ok, c'est cool. Ok, merci. Ah. Ok. Donc, comment cela gère? Par là. Ça a l'air, hein. C'est pratique, hein. Bah là, par contre, le bateau, il a totalement changé de look, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Un beau boulot, capitaine. Vous avez renfloué le cargo. On peut le voir d'ici. Catherine et moi, on se dirige vers les docks. Ne nous attendez pas. Vous trouverez la bombe dans la soute du cargo. Dépêchez-vous, Renko. Le renflouage du cargo a sans doute attiré l'attention de Demichel. Des hélicos se dirigent oh, vers vous. Oh putain. Ça a attiré les poissons aussi. Rip les trucs. Capitaine, vous devez savoir que les effets du MD ne vont pas durer avec un objet aussi grand que le cargo. Quittez ce bateau avec la bombe au plus vite. Ok. Oh oh! Ah! Ah putain, c'est vrai. Il faut les il faut leur faire les... Oh putain. Ok. Alors, certes ils ont mis le truc à droite sur la gauche, un truc à gauche, ils ont tout. Ok, je regarderai plus tard. Ils ont changé un petit peu le design. Pas plus que ça, j'ai l'impression. Ok, en fait je retourne derrière. Ok, c'est quoi ça? C'est pas beau ça. Ok. De toute façon, je me sers très très rarement moi de l'interface de base Twitter. Mais... Je préfère TweetDeck. Renko, on est sur les docks. Mais les hommes de Demichev sont partout. Les hélicos ont déployé des soldats sur le cargo. Soyez vigilants. Ok. Il s'inquiète. Il a coulé. Il l'a coulé et toutes ces personnes sont mortes. Ok. C'est pas très gentil ça, de couler les bateaux. Ok, le bateau vieillit à vue d'œil. Donc c'est bien, on lui a rendu une... On lui a rendu une bonne jeunesse, mais... Ça a fonctionné. Wow, 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 wow. Allez, d'accord. Ok.
Vous m'intriguez vraiment avec Twitter. Putain, ça me... Désolé, mais... Ça me défonce les yeux, là. Je sais pas pourquoi. Ça doit être psychosomatique à cause de la vidéo de Jim Lao sur... avec la différence entre 30 et 60 FPS. Okay, donc là, je vais rentrer, ça va me faire un vieux flashback. Le cargo prend l'eau. Oh putain, j'ai peur. Journal personnel, 22 novembre 1955. Nous transportons un engin que Demitchev nomme une bombe à E-99. Je n'aime pas avoir cette chose sur mon bateau. Elle n'a même pas encore été testée. Dangereux. J'ai interdit aux hommes d'accéder à la soute-arrière. Heureusement, la mer s'annonce calme pour le trajet du retour. Merci de ta compréhension, Marc. Est-ce que je fais peur sinon Non. Pas plus qu'un Half-Life, on va dire. Jim Lao. Il y a des jumpscares de temps en temps quand il y a des mobs qui t'apparaissent devant la tronche. Mais puis l'ambiance n'est pas forcément des plus joyeuses. Oups. Mais ça va. C'est pas non plus... C'est pas Doom 3, quoi. Oh, c'est nouveau, ça. Lanceur Detex. Allez, je veux garder le shotgun, donc... Lanceur Detex, appuie sur souris 1 pour tirer une grenade. Standard, maintenez souris 2, puis appuie sur souris 1. Ok. Ok. Je suis pas sûr de qui fait ça en fait. Mais bon, faut tester, hein. Je sais pas. Alors, on va continuer à améliorer le shotgun. Il nous manque amélioration de chargeur. Chargeur. Allez, chargeur. Ok. Ouais. Eh mais achetez munitions. Merci. C'est quoi ça? Ok. Ok. Non. Lanceur de texte, il lance des textes. Tout à fait, c'est ça. T'as vu, il lance des textes en boule. Super. Je sais pas si je garde ça ou si je garde le... Parce que, franchement... Je sais pas. Quelqu'un m'a informé que le capitaine avait interdit l'accès à la soute arrière du cargo. Nous transportons une nouvelle bombe à destination de Moscou. Je me demande bien à quoi elle ressemble. Moi aussi. Chose me dit qu'un lance-grenade dans un espace confiné, c'est pas forcément la meilleure des idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 2 heures. Oui. Oh. Oh. Enfin, résumé, twitter.com sur PC. Fait très à plein écran avec des textes et des boutons plus gros. D'accord, ok. Tiens, en fait, Elki, j'ai fait mon baptême de ASC. 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 ASCII. C'est le début de ASCII. Oh! Thank you.
Oh, l'hélicoptère. On peut pas le... Merde. C'est pas un lance-roquette non plus, faut pas exagérer. En fait. D'un coup, je suis déçu. J'ai pas capté ce que j'ai fait là. Ah ouais, mais non là. Ah bah si, ça a marché. Wow, 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 ok. Ah oui, non, mais en fait, j'ai rien pour tirer à distance là, au fait. C'est pas top pratique. Oh. Non, mais reprends l'autre. Attaque-couille. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi. Aïe. Bah, Takuye. Takuye. Assassin's Creed. Ah, d'accord. Ah, c'est sinon mais c'est moche. Ah, mais c'est assez, ouais. Assez, assez. OK. Bah cool. Oh ok, j'aime définitivement pas cette arme. Eh, ça brûle derrière toi, mec. Ok, je vais remplacer ça du coup par ça. Voilà, merci. Ok. Tac, tac. Ça, c'est une idée qui se déroule à Paris, à faire par Ubisoft par rapport à notre. Moi, je l'ai chopé aussi du coup. Ah ouais, mais le Unity qui était connu pour être tout buggé à la release en fait. Je me rappelle. Ah, il a une main qui roule, le monsieur là-bas. Main qui roule, n'amasse pas de bras. Oh! Mais je suis en train de crever en plus comme un con. Hein. Je fais pas gaffe. Je veux. Oh, ok. 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 Donc ouais, il était tout bugué à la release, a priori, si je me rappelle bien. Les gens se plaignaient et tout. Mais faudrait que j'y joue, moi, un petit peu, un jour. Dans les jambes. T'as plus de tête. Super bug dans la première version d'Unity avec les personnages textures sur le visage, du coup on voyait juste les yeux, un dentier et les cheveux qui flottaient, je me rappelle. Un poisson. Je fais 5 heures de live dessus dimanche, ça allait. Ok, cool. Ouais, non mais maintenant c'est... Ils ont corrigé les bugs. Ok. Attention. Ok, j'ouvre la porte. Bon, d'accord, c'était dans le passé, mais... Mais voilà, j'ai ouvert la porte, monsieur. J'ai flippé d'un coup. Mais ouais, bah, moi si je fais les Assassin's Creed, je commence par le premier, hein, comme d'hab. Hein. Comme d'habitude, même si le premier, a priori, il est tout pas top maintenant, mais bon. Je vous informe que l'accès à la soute arrière
Du cargo est formellement interdit. Nous transportons un matériel militaire dangereux et nous ne voulons pas le compromettre. Des marins seront désignés pour vérifier 3 fois par jour. On me demande que le matériel en question est en sécurité. Pour la mère patrie. Mais putain, vise un petit peu quoi. Nous apprêtons à quitter Katorga pour la 2e fois en si peu de temps. Encore 2 voyages similaires et je pourrais enfin partir. J'ai hâte de te voir et de te parler de l'île. Ce qu'ils font ici est inimaginable. Avec tout mon amour, Timur. L'amour, Timur. Mon amour, Timur. Ok. Super. T'arrêtes de me donner des trousses de soins, s'il te plaît, le jeu là. Ça devient lourdingue un petit peu. Ok, alors il y a des strums de l'autre côté, c'est noté. Merci, merci. Ok, donc j'imagine qu'on va par là. L'erreur d'Ubisoft, c'est de trop se concentrer sur un multijoueur inutile qui du coup est pas bugué du tout alors que le soleil est rempli de bugs et autres jeux ST. Ben j'ai commencé mon stream à 22h30, j'ai fini vers 3h40, cool, tu t'es pris 6 follow de gens, tu reverras sans doute jamais. Faut pas dire ça, c'est jamais. C'est jamais. Génial. Chose géniale dans le reboot Assassin's Creed d'origine, pas de multi, hey, du coup je vais correct, magie. Bah oui. Oh, c'est pas très... Miam. Ah bah super. Journal personnel, 22 novembre 1955. Norman est venu me voir ce soir, paniqué. Il prétendait que le conteneur de la bombe AE-99 scintillait. Alors j'ai été voir. C'est la vérité. Étrange lueur orange entourait tout le conteneur. J'ai immédiatement contacté le professeur Belichev. Il a dit de ne pas m'inquiéter. C'était une réaction normale de l'E-99. Il dit qu'il n'y a aucun danger pour le transport. Je ne suis pas aussi sûr. T'as pas grand chose, hein. Pendant la matinée, je vous suis dans le programme. Dommage. Coucou, youcoucou, Tiny Tina. Comment vas-tu? Bienvenue. Ouh, on a des thunes. Ouh là là. Il va falloir faire quelque chose avec ça. Ok. Ça c'est une odyssée, j'ai le bon sens en plus. Ben pour toi, Arnaud, pour toi. Le pire jumelage avec Ubisoft, ils sortent le remaster de Assassin's Creed 3, mais les manettes sans fil ou Xbox ne sont pas mappées, lol. Dimanche soir j'étais bien, c'est la première fois que j'ai streamé aussi longtemps. Mais c'est cool. Je teste Assassin's Creed 1, faut remettre en tête qu'à l'époque c'était une révolution, c'était absolument génial pour tout le monde. Ah mais j'y ai joué à la sortie déjà, Jimlao. T'inquiète, je critiquerai pas le jeu. J'y ai joué dès sa sortie à Assassin's Creed 1. J'aurais pas dit que c'était une révolution. Si le gameplay était franchement révolutionnaire, effectivement, mais la répétition, c'était vraiment extrêmement répétitif. C'est pour ça que j'ai pas fini en fait. Fait tout le temps faire les mêmes choses, c'était chiant. Putain, ça bouge, c'est chiant. T'arrêtes le bateau, putain! Merci! Ah! Non. Voilà ce que tu me fais faire, bateau. Je crois que je m'en ressens depuis lundi parce que je suis naze. Ah oui, bah oui, c'est... T'as pas l'habitude. Fuyez avant que le bateau coule. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça comme ça, là, maintenant? Enfin, je veux dire, c'est bizarre, non? Comment il sait? Qui me parle, d'ailleurs? Ok, ça vient de sauvegarder, ça pue. Ça pue. Oh, putain. Ok. Je descends.
Oh. Ça va ? Plus du cul. Ce connerie de putain de head crab de merde. T'arrêtes. Recharge. Ok, ça c'est mieux pour les head crab. On va lui changer d'arme direct. Là il va me rebalancer des... Oh, je... Ah ! Putain l'enfoiré ! Fleur de jeu va. Ok. Ah putain. D'ailleurs, le remaster de Assassin's Creed 3 est moisi, ils ont changé plein d'effets graphiques, les couleurs, et quand tu compares avec le jeu original, vous avez le remaster est très moche, d'accord. J'ai des DLC d'Atlantide, d'Assassin's Creed Odyssey, une merveille. Ok. Assassin's Creed d'origine, je kiffe les Assassin's Creed Odyssey, est génial. Et même l'épisode final sur Atlantide qui va sortir, il fait un bon PC. Mais il est déjà sorti, a priori. Ok. Qui remonte là. Oh putain. T'es mort. Bah là t'es mort. Ok. Des fucking bombes à côté là. Hop. Professeur Demichef fait retirer tous les symboles du grand Lénine sur Katorga 12. Il prétend que l'île va être le berceau d'une nouvelle Union soviétique et que nous devons nous débarrasser des souvenirs du passé. Je dois donc faire tout le voyage en m'assurant qu'une énorme tête de Lénine restera bien en place. Le docteur va probablement placer sa propre tête sur le corps de Lénine. C'est ce qu'il a fait là, effectivement la tête, on l'a vu bouger tout à l'heure. Hein ? Je viens de dire ça, je suis vraiment fatigué parce que j'ai même pas percuté que j'ai dit ça moi. Ça pue du cul ces conneries de crabe de... Ah oui c'est vrai quand les head crab ont attaqué, putain. Effectivement. Marc. J'avais même pas tilté en fait. Ah ouais d'accord, bah tiens je vais me soigner. Voilà. Ça sera fait. Il est vraiment trop gentil le jeu. Vraiment trop gentil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une pierre de coup, rapport de l'énergie MD, on se fait ramasser des munitions. Fouille experte, scientifique. Possibilité d'obtenir le double en ramassant une technologie. Le double de quoi? Franchement, y a vraiment pas besoin de tout ça. Je vais... qu'est-ce qu'il y a là? Protection. Réduit les dégâts au corps à corps subis. Augmente la durée du sprint. Réduit les dégâts des projectiles. Dans l'efficacité des trousses de soins. Augmente la quantité des trousses de soins. Pour acheter une amélioration. Et de la... Ok. Non, mais je vais prendre la life. Hein. Franchement. Je sais pas trop quoi prendre d'autre en fait. Voilà. J'ai ma barre de vie à fond, je suis content. Oh là là. Je vais me rappeler qu'on est sur un vieux jeu. Ouais, vieux, ouais. 2010, quoi. Il est bien pour un jeu de 2010, c'est clair. Hein. C'est clair. C'est pour ça ce que je disais au début, pendant l'intro, là, je comprends pas comment il a fait pour passer inaperçu autant que ça, quoi. Il est pas très connu, au final. Ah putain!
Putain, il y en a beaucoup. Recharge. C'est bon là? Oh, tiens. Oh là, je sens que certaines personnes sont atteintes de motion sickness sur ce menu. Ouais. Ouais, je suis pas ultra fan non plus. Ils sont vénères les soldats. Putain, j'arrive pas à aligner. C'est ouf. Bye bye. Bye bye. Je crois que j'aime bien Metroid Prime aussi parce qu'on n'a pas besoin de recharger quand on tire. Ouais, et recharger ça rajoute du stress en fait. Moi j'aime bien. Au cas où. Ok. Il est chargé boss 360 à 5€ quoi, Singularity. Franchement, pour peu qu'il y ait un minimum de rejouabilité, de toute façon c'est un FPS, il y en a un petit peu, tu vois. Allez. Allez. A bloop, a bloop, a bloop. The fuck? Mais on m'a pas prévenu qu'il y aurait des trucs chelous là, comme ça là. R, prends la bombe. En fait, on peut comparer l'armure de l'héroïne à Metroid à celle d'Iron Man. Ok. Prends la bombe, putain. T'as pas de non plus une d'oxygène. Allez. Ok. Faut que j'aille où là? Échappez-vous du pearl avant qu'il coule. Mais par où? Par où? Par où, monsieur? Par là? Ok. Par là, je peux pas passer. Ok. Bah, c'est dramatique là. Bonne app, Marc. Il y a une note là, il faut que je la lise. Non, c'est un plan. Vous avez découvert cure. Chaque victime rapporte de la santé. Non, je veux ça en fait. Ok, mais on se casse là. On lira le reste après. Voilà, bonjour, au revoir. Putain, il file des trucs à looter sur le chemin, c'est vraiment... Ça doit être scripté, c'est pas possible. Je pense si on peut vraiment en mourir en fait. Oh là là. Ok. Voilà. Ça attaque les trucs dans là-haut, là. Je sais pas, mais je les ai évités au... juste au cas où. Ah. Capitaine Renko, Dieu merci, vous êtes vivant. Venez, je vais vous aider. Bravo, capitaine. Vous avez la bombe à E99. Il y a encore de l'espoir. Mais je peux m'évanouir maintenant. Plonk. Ok, on a la bombe, on va tout faire péter.
Renko, pas Reno, pas Jean, Jean Renko. Centre de centre de têtement, le 99. Oh, j'ai pas vu la date. 27 octobre. 27. Je ne sais pas lire. 27 octobre. Centre de traitement de l'E99, 27 octobre 2010. C'est pas dur. Bordel. Ah, bien. Vous êtes réveillé. Je suis vraiment désolé, mais Catherine. Eh bien. J'ai tenté de l'arrêter sur les docks, mais elle n'a pas voulu écouter. Elle voulait faire diversion pour s'assurer que vous puissiez fuir avec la bombe à E99. Elle a été touchée quand le cargo a commencé à couler. Catherine est morte. Mais son sacrifice ne doit pas être vain. Nous devons à tout prix arrêter Demitchev. Malheureusement, la bombe n'est pas complètement chargée. Vous devez rejoindre le haut fourneau. C'est une partie de l'installation où se trouve, ou plutôt se trouvait, une chose dont nous avons besoin. Ah, il faut faire vite, capitaine. Demitchev se rapproche dangereusement. Je vous en prie, allez-y. Ok. On dirait Jean Reno en Léon. Ouais, c'est vrai, il y a un petit peu de ça. T'as un petit peu de ça, c'est vrai. Vous devez aller au haut fourneau. Ça me rappelle un peu Wolfenstein. Ouais. Pardon, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, surtout qu'il y a du... Le scénario est plutôt sympathique. D'ailleurs, t'as jamais fini Wolfenstein 1 The Old Blood. Non, c'est pas The Old Blood, c'est... The New Order. Le nouvel ordre. C'est dégueulasse ce qu'il est en train de préparer. Là, il y a une espèce de crabe dedans. Là. J'ai pas envie de... Comment je fais pour sortir J'ouvre la porte. Ah ouais. Je suis pas sûr qu'il faille que j'aille aller là. Oh là là. Il y a les bébêtes. Elles grimpent par où les bébêtes? J'aime pas les bébêtes. Puis en plus j'ai envie d'aller en bas parce qu'il y a un truc en bas. Tu te rappelles Duke Nukem toi? What? Exactement, what? What? Hein? Comment ça se fait? Ça fait partie des quelques jeux que j'ai mis de côté. Ok, c'est dommage. Il est super bien Wolfenstein. Pourquoi je... Non, je veux pas descendre. Mais je veux pas descendre, putain, il est lourd. Ok. Les bestioles. Ok. Voilà. Bon, je remonte. J'attendrai un jour cool. Ouais, parce qu'il est bien. Franchement, il vaut le coup. Les trois veulent le coup. Hein. Les trois. Et puis, ils ont prévu. Ils en ont prévu un autre là, bientôt. Enfin, en juillet, je crois. Qui est jouable en coop, apparemment. Je vais peut-être le faire avec Mu. Je pense que je le ferai avec Mu. Après que la singularité a explosé, les tunnels de service ont été transformés en morgue d'appoint pour les morts et les infectés. Ça ne va pas être facile. Ok. La musique change d'un coup là, c'est bizarre. Alors, cure, chaque... Voilà, c'est ça que je voulais prendre. Voilà. Bah nickel. Nickel, c'est... Là, vous pouvez pas mieux... Pas mieux tomber. Est-ce que... Attendez, équipé. Ah. Oh, ok, d'accord. Je peux pas équiper tout en même temps en fait. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour texture un mur, mais là c'est dingue.
Ok. Donc là, j'ai du Drain Life en fait. Des compétences d'intervention. Ah oui. L'éthique, éthique, éthique. Ouais, ouais, ok. Ouais, ah oui, d'accord. Ah, j'ai réussi à la transformer, à la passer. Ok. Ça va bien. C'est pas mal comme idée, ça, en fait. Oh putain. Ah, foiré. C'est un petit peu foiré. Bonjour madame, la tique. Ok. Y'en a d'autres? Apparemment pas. En fait, si, il y en avait d'autres, mais. Ah ! Panique. Putain, ça grouille et tout. Dégueulasse. Dégueulasse. J'avais pas vu qu'il y en avait là-bas. J'aime pas ces trucs. Vise. Attends. Oh, genre derrière le truc, il veut pas. Mais ah, quand même. Je sais plus le Kinect a une map, un F5 aussi. Non, j'ai pas de F5 et j'ai pas de map. Sérieusement, putain. Non, non, c'est que du checkpoint. Ok, je vais aller voir par là avant. Là d'ailleurs, non, je peux pas. Je peux pas! Mais putain! Ok, je vais aller là. Enfin, ok, ok, on va aller voir là. Okay. Je me demande si ça aurait pas été plus simple de partir comme ça, comme ces pauvres gens. Au moins, c'est quelqu'un d'autre qui les aurait empilés à l'autre place. Ah. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'on ramasse les morts et on commence à peine à y voir plus clair. Ok. J'ai été stupide. I was a fool. Je ne sais pas comment je vais faire pour supporter. Les enflures. Ça, c'est abusé. Je n'ai pas dormi depuis. Oh, laissez-nous écouter le bordel. Des membres de l'équipe médicale ont organisé un tri dans les tunnels. Mais même en faisant notre maximum, les malades et les blessés affluent. La désolence, là. Faut que tu relances un point and click, ça te manque. Fair and away. Bah non, pourquoi tu continues pas le chevalier de Baphomet? Oh l'aventure. Ouais, non, mais run away, je. Ouais. Bah dans les deux cas, j'irai pas te voir, Marc, parce que j'ai envie de les faire aussi. Donc, malheureusement.
Ok, est-ce qu'on va de l'autre côté du coup pour voir ce qui s'est passé de l'autre côté? Putain mais... Ah putain, je recharge. Tiens, moi comme ça, ben voilà. Je need de les faire aussi. Je veux les faire, mais j'ai tellement de jeux à faire que je ne sais pas quand ce sera le cas. Ping, ping. Fuck. Pavel, mon frère. Je suis l'homme le plus heureux sur Terre. Dans deux semaines, j'épouse Alina. Ne l'écoutez pas, Pavel. Dans deux semaines, c'est moi qui serai la plus heureuse sur Terre. Car je vais épouser votre frère. Ne manquez rien, on est assez loin, on a oublié. Ah, moi j'attendais de, j'attendais 4 ans pour le faire vu qu'il y avait Zwin qui l'avait déjà fait. C'est pas grave, de toute façon, Monkey Island, je vais le faire aussi. Je pense que Monkey Island, par contre, je vais le faire assez rapidement. Non, mais je dis, après, Marc, j'ai des bonnes cookies que... J'ai que des bonnes cookies que t'as pas encore fait. Non. Non, non, mais voilà, te prends pas la tête, fais pas en fonction de moi, évidemment. Je sais que tu le feras pas. Hop. Prends ça, merci. Ça, merci. Rien d'autre. Ah non, il y a trop là. Trop. Ah oh, mon dieu, ma vie. Aïe, putain. Ah mais il y avait le truc, putain, super. Les boules. Bonne tapette anti-cafard là. J'aurais aimé. Vous pénétrez dans la zone de traitement de l'E99. Les hommes de Demitchev ne devraient pas s'y risquer. Ouais, alors il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a deux chemins en fait. Du coup. C'est la voix de Chakotay. Je vais me reposer ici et attendre. Je sais pas trop comment, sans objet, comment virer ça. Ouais, bah la merde. Mais du coup, j'ai vraiment envie d'aller voir ce qui... Ah, c'est mort, hein. C'est fermé. Pourquoi ils ont refermé la porte après? Putain. C'est nul. Chier, parce qu'on en pouvait aller dans l'eau. La 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 la. Ta ta la ta la ta la, tout va bien. Le truc était pas si gros. Y'a un prédateur. J'ai entendu un prédateur. Oh là là. Oh, ça tire des lance-roquettes, des croquettes. Aïe. Ouais bah t'es gentil là mais...
Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez. J'ai une idée. On va faire ça. Ok, on refait la même. On se calme. Aïe. Mais merde, ça fait mal. Voilà. Et tant on reprend ton cours et... Ça a pas marché. Ok. Merci. C'est un parasite de Starship Trooper. Ouais. Ouais, je préfère ceux-là quand même. Hein. Très franchement. Ils sont pas beaux ceux-là, mais alors ceux de Starship Trooper, ils m'ont fait faire des cauchemars. Hein, D'après le GPS, vous avez quitté les tunnels de service. Vous devriez apercevoir le haut fourneau. Oh, j'ai plus de balles. C'est une vaste structure sphérique. On le voit de loin. Pour y accéder, il va falloir réparer le pont, ce qui signifie que vous devez activer la plateforme d'amplification MT. D'accord. Il faut activer le réseau, il devrait y avoir un interrupteur. D'accord. D'accord, d'accord. Je vais monter avant, voir ce qui se passe là-haut. Ça a l'air cool là-haut. Qui sait, il y a bien son un prédateur te surveille. Ouais, je pense que c'est un prédateur qui me surveille aussi, ouais. Effectivement. Ah, il a perdu la tête, lui. Puis lui, il était fatigué. Je vais prendre une petite pause aussi, les gens. Quelle heure est-il? Ok. On va continuer encore une petite heure et je vais prendre une petite pause. Je voulais utiliser un truc. On en a 1850. Ça coûte 1000, je pourrais prendre ça. On a l'énergie au max. On augmente la durée du sprint, c'est pas mal. On va faire ça. Durée de dégâts de corps à corps. Réduit les dégâts de corps à corps ou augmente la durée du sprint. Allez, ça c'est pas mal. Ça. Ok, bonne nuit, bonne game, ça marche. Merci Arnaud, merci de passer, merci encore pour le sub. Et à la prochaine fois. Ok. Ouais, je vous laisse avec la musique. Puis des fois que je me fasse attaquer, ça sera rigolo. Allez, je. FK, 2 minutes, bougez pas.
Jolien versus Predator, c'est trop de la balle de jouer Predator, les sons, les visions. Ah, j'y ai beaucoup joué, moi. Enfin, beaucoup. J'ai joué en multi quand il est sorti. Et d'ailleurs, je suis dégoûté parce que j'ai toujours la boîte là qui traîne. Mais c'est un jeu vidéo, enfin jeu vidéo pour Windows, je sais plus trop quoi, et impossible de l'installer. Je n'avais rien compris comment il fonctionnait à l'époque. Ah bon ? Très critiqué sur Alien vs Predator, pourtant jouer à Marine c'est flippant. Ah oui, mais t'avais aucune chance de jouer à Marine quand tu joues à Marine contre en multi quoi. T'avais pas vraiment beaucoup de chance de possibilités de t'en sortir. Le 1 en tout cas, AVP1 en tout cas. AVP2 c'était plus gérable parce qu'il y a eu un deuxième. Hein. Je joue pas la mienne comme le Predator à Marine, c'est toutes les touches qui changent. Ouais, c'est clair. Windows, je sais plus trop quoi, une édition spéciale. Non, c'est Games for Windows, c'est avant qu'il y ait Steam en fait. Il fallait. Je sais plus exactement, mais tu sais, t'as un code avec. Qu'il fallait rentrer et enregistrer avec Games for Windows. Et voilà, et c'est plus. Tu peux plus l'avoir sur. Tu peux pas le. Ça marche pas sur Steam quoi. Et j'avais pas réussi à installer le jeu la dernière fois, je voulais essayer. Puisque le. Enfin bon, bref. Voilà. Alors, on va où ? Va là ? Ah, faut réparer le pont, c'est vrai. Donc, faut trouver comment amplifier le bordel. Ok, la porte s'est fermée. À l'époque, j'étais pas du genre aussi persévérant qu'aujourd'hui sur un jeu. Ah oui, oui, forcément aussi. Cool. Ça me gonfle. Quand ça me gonflait, lol. Ouais. Alors. Non, pas ça. Non. Améliorer. Eh ben voilà. Magnifique. Le shotgun est full amélioré. C'est parfait. Oh oh, ça s'est ouvert là-bas. Il faudra alimenter le réseau avec le générateur hydraulique. Ok. Activer le généralique hydrateur. Je crois que je me suis trompé. C'est bizarre, pourquoi il y a une petite cabane là ? Problème de lumière, l'arme, messieurs. Mais en fait, attendez. J'achète des munitions là. Munitions. Non, c'est munitions pour ça. Ok. Voilà. Ok. F5. Game sur Windows a été désactivé, Microsoft, tout leur système a été supprimé. Les jeux Steam qui intégraient ce truc dans Dark Souls 1. Ont été mis à jour pour supprimer tout lien avec ce truc et pouvoir jouer sans. Ah, bah moi j'ai pas réussi à l'installer. Donc ça dit qu'il faut Games for Windows et qu'il faut s'enregistrer et le truc existe de bas. Il me semble. Donc c'était Alien vs Predator 1. Ok, ça sent le groumph. Derrière la pop-porte. Ah, peut-être par là en fait. Nom de Dieu. Voilà. Un lanceur machin. Tiens. Je changerai après, mais. Mais là, pour l'occasion... Mais oui, je sais. Là, pour l'occasion, c'est rigolo. Ouais, par où je les mets? Oh, par là. Fail. Ok.
Bidon. T'as essayé d'installer avec Steam. Ouais, mais le problème, c'est que Steam, il veut un code. Et quand j'utilise la clé, c'est pas une clé Steam, quoi. Donc, à moins qu'il y ait une autre façon. Ben, je ne sais pas. Demitchev se rapproche. Soyez très vigilant, capitaine. C'est toi, vigilant. Mais Demitchev, c'est un mec cool, Demitchev. Ah non, c'est... merde. Demitchev, il est pas cool, c'est... C'est Borsov, Borvos, Bordnov, le mec qui nous causait qui est cool. Demitchev, c'est le méchant, pardon. Oh là là. Putain. J'ai dit des conneries tout à l'heure pendant l'intro, alors. Demi-chèvre! Où es-tu? Relu-tu-tu! Ok. Putain, j'ai les yeux en vrac, moi, c'est un truc de fou. Ok. Alors, les bulles qui sortent, là, ça me dit rien qui vaille. Et bon, va falloir y aller. Ya! Je suis curieux, alors je vais y aller. Oh, bah j'ai bien fait, dites donc. Il y a des cadavres en bas. C'est pas très chouette. Oh. C'est tout, y a rien d'autre? Vu qu'on peut respirer comme... il retient sa respiration comme un grand... Mais faudrait que je réessaye, peut-être Jim là-haut. En fait, je m'étais dit l'autre jour, j'ai vu, tiens, mais putain, il y avait Alien vs Predator en promo. Mais je fais, mais putain, je l'ai déjà, fais chier. Et du coup, j'avais essayé et ça avait marché. C'est pareil, en fait, là, mon compte Steam, j'avais créé un compte Steam le jour de la sortie de Steam. Et donc, comme vous le savez, il y a des badges pour les vieux comptes, etc. Tu peux frimer et tout. Et en fait, j'avais créé un compte à l'époque pour jouer à Half-Life 2 quand il est sorti. C'est pour ça que j'ai créé un compte Steam d'ailleurs. Et ben j'ai perdu les passes, quoi. Donc j'arrivais pas à récupérer mon compte. Donc, RIP le compte. Quoi? Ça craque! Check sa Steam, ma clé Alien vs Predator a marché. Sérieux? Bah pas moi. Attends, tu m'intrigues. Attends, on va sortir de cette merde là. Comment je fais pour sortir de cette merde? Par là. Attends. Allez plus vite. Allez plus vite. Allez plus vite là, vraiment plus vite. Ah, je vais plus pouvoir respirer, remonte, remonte. Oh bah putain. Heureusement que j'ai boosté ma respi, hein. Ok. Bougez pas.
Non, je le retrouve pas. Je sais pas où il est. Il doit être dans un carton quelque part. Je te donne la clé en oui si tu veux essayer. C'est bien marqué. Non, 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 mais par contre, j'ai trouvé ça. Ça me fait marrer d'avoir ça. J'avais oublié que j'avais encore la boîte. Regarde derrière en plus. C'est de toute beauté, a dit joystick. C'est classe, je trouve. Ah là là. Bref. Voilà. Ça pour dire que je t'ai dégoûté. Que. Je sais pas s'il y a la clé. Elle est où la clé dessus? Bref. Hop. Ok, enfin je retrouve l'autre truc. Mais non, non, tant pis, te fais pas chier. viens. Alors. Peut-être en forme. Ouh, y'a du vilain là. Ah. Il est mort déjà. Oups. Oh non. Le petit gigolet Muri, tu l'as sur Steam, c'est un clone de Duke Nukem 2D. Non, ça me dit rien. Je sais pas où j'ai récupéré ça, moi. Une poupée. C'est parti, ouais. Allez un peu plus vite comme ça. J'ai connu des jeux à 15 FPS. Alors, on a le choix entre le framerate à 15 FPS à l'époque, de l'époque ou 30 FPS. Là, là. J'ai connu des jeux à 15 FPS, c'était un style. Ok. Là, y'a rien. Pourquoi ça va servir ça, ça? Je peux pas le réparer. Grumpf. Alors ça sert soit à ouvrir un truc, soit à grimper quelque part. Je vois rien à ouvrir, je vois rien à grimper. À quoi ça pourrait servir? Là, là? Casser la porte? Ah, ou alors, attendez. C'est pour grimper là, en fait. C'est pas un peu con? Ah non. C'est bien. C'est pas si con. Ok. Munition maximum. Ça a sauvegardé. Oh là là. Putain, quand ils sont comme ça, ils sont déphasés. On peut pas leur tirer dessus, c'est chiant. Ok, on est là, vous? Là. Ok. Oh, y'a un gros!
Oui, un très gros. Ok. Crève. T'exploses. T'exploses. T'exploses pas. Ok. Ok. Tout va bien. Tout va bien. La musique est toujours là par contre. Merci Avia. À mon avis c'est pas fini. Je me dis que ce n'est point fini. Y'a rien de caché là non. Too easy. Ah non mais il est pas dur hein. Il est pas dur ce jeu, je pense que j'aurais pu le faire en hard sans problème en fait. Mais bon, je ne pouvais point savoir. Lui le monsieur il a fait rip. Est-ce qu'à votre avis est-ce qu'il s'est traîné jusque là ou est-ce que quelqu'un l'a traîné? Ok, on est en plein dans la... C'est la pièce à loot. Voilà. C'est fait. C'est là qu'on loot. Voilà. Ah bah c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Rip. Ok. Ensuite. On arrivait par là. Là, on a tout visité. Là, on a activé. Par là. Il a peut-être pété un peu fort. Il faut faire vite, capitaine. Les hommes de Demitchev fouillent la zone. Eh bah, je fais ce que je peux, monsieur. Pas réparer ça? Est-ce que je peux sauter? Yeah! Oh! Ah, je peux pas non plus casser ça, d'accord. Je peux remonter là. Centurion! C'est nouveau ça. Pour la science. Centurion. Est-ce que Centurion, je peux l'utiliser dans l'eau? Ça va remonter la caisse à tous les coups. Ah non, ça descend l'eau. Ça marche aussi. Faut remettre la flotte maintenant, c'est ça? Ici. Ah. J'aurais peut-être dû garder la mitraillette, en fait. Tellement subtil pour Elkino. Trop. Il a l'air de défoncer des derrière le ce flingue en fait.
Le jeu qui n'aura pas un vieux briscard. Oui, c'est clair. Alors, on a 3000. 3000. Non, je peux pas faire ça. Pas faire ça. Acheter l'amélioration d'armes, non. Augmente la quantité de trousses de soins que vous pouvez transporter. Voilà, l'efficacité des trousses de soins. Réduit les tiens, on va faire ça. Des dégâts, hop. Tiens. On va devenir invincible. Déjà qu'on est pas mal. Qu'on n'est pas vraiment invincible. On va être encore moins invincible. Aïe. Ou pas. Même pas mal en fait. Bon. Donc on remet ça. Et la caisse va monter du coup, c'est ça? Ouais. 25 gifles. Quoi? 20 cibles Gétorix. Ok. Ok. Ah là là là. Un téléphone. On a déjà essayé. De faire quoi? Bien joué. La plateforme d'amplification est alimentée. Aïe aïe aïe. Ah oh là là, oh là là. Le réacteur a dû indiquer votre position à David Jeff. Retournez au fond le plus vite possible. Ouais mais t'es gentil mais... Alors attendez. Je suis désolé mais... Tiens. Ah ouais, ok. Non mais... En fait, comment je fais? Putain mais arrêtez de me faire chier là. Comment je fais pour prendre ce... Putain de gun. Entrée équipée. Équipée. Merci. Oui. Ok. Voilà. Oh, what the fuck. Putain mais. Oh, pas lui. Ouais. Fucking dans les pieds. J'aurais dû prendre un snipe en fait. On se calme les gars là. Découpage de soldats. Back off, it's coming straight. C'est ça. Et ils veulent pas reculer par contre. J'aime pas en fait cette arme là, elle donne pas l'impression de découper les... Tiens bah. Voilà. Ah, il y en a encore un autre.
Headshot en 20 coups. Ouais, non, mais voilà, c'est pas précis du tout. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus précis que ça, quand même. Mais bon. Enfin, la Gatling, quoi. Mais en même temps, c'est une Gatling, vous me direz, mais... Je le sens pas, là. C'est trop calme. Merci. Mais c'est trop calme, quand même. It's too quiet. It's too quiet. Oh. Non, c'est... It's oh so quiet. Faut pas que je fasse ça maintenant? Merde, faut que j'aille au centre de la plateforme en fait. Vite! Utilisez le MT sur la plateforme pour réparer le pont. Le temps nous est compté. Ah oui, faut que je suive le truc, c'est vrai. J'ai oublié. Oh, les hommes de Demitzel vous ont repéré. Traversez le pont et foncez vers les grilles, maintenant. Ah wow, je suis où, putain? Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Arrêtez! Vilain! Dans la nuque. C'est bon? Il y en a bien d'autres. Ah, il y en a d'autres là-bas, 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 là-bas. C'est tellement bien pour les mecs, les boucliers en fait. Dans les chaussures. Je pourrais le faire au snipe, ça. Ok. Si on allait voir... Est-ce qu'on peut monter là-haut? Ouais. Oh, il y en a plein derrière en plus. Ouais. Paf. Oh, je suis parti par où? Là, ok. I'm falling in love with a gun. Merde. Hop. Est-ce qu'on peut passer sous le camion? Non, je vais pas le tenter, je pense que ça va me gâcher. J'ai vu encore un monsieur bouclier. Bon, tout à l'heure, une streameuse chantait Björk en faisant des kills sur PUBG. Ah ouais? Ah voilà, j'ai dû l'entendre sans faire exprès. Ça, par contre, il y a un truc qui est dommage, c'est qu'on voit pas les kills jusqu'à la fin en fait. Dès que la balle explose, c'est fini, tu reviens. Il devrait y avoir. Ça devrait rester un petit moment en fait. Il y a plein de monde là. Bon allez, ça suffit. C'est pas un mec ça. Il y a eu du mort là. Ouais, un truc à la MK ou sniper. Ouais tiens d'ailleurs, sniper, faudrait que je les fasse aussi. Enfin je l'ai, je voudrais que j'en fasse un. Aïe! T'arrêtes! Ah, je l'ai tué du bras! Merde! Ah,
fait, il n'y a pas besoin de faire de headshot avec ça. Wow, par contre, ça, c'est pas très chouette. Merde. Ok. Ok. C'est bon ? Ah bah oui. C'est bon. Ok. Ringo, si la grille est fermée, vous devez trouver un autre accès. Il y a une entrée dans le centre de stockage. Soyez prudent. Toute la zone a été condamnée après une fuite de gaz à E99. Qui sait ce que vous allez y trouver ? Il y a un nouveau sniper, je crois que j'ai pas adhéré au premier trou à un joueur, mais sans que nous sommes. Faut piloter, hein. Faut la piloter la balle. Hein. Oh là là, oh là, oh là, oh là. Tiens. Mais il respawn, c'est pas possible. Oh putain, j'ai failli tirer mon sol. Alors là. Eh, salut, ça va? D'où il est venu? Comment il est venu? Il se téléporte, c'est pas possible. Non, ils vont juste vite en fait. Ok. C'était super bizarre. Ok, je m'en fous de ça. Oh là là, le carnage. Des bouts de barbac partout. Ok. Miam. Y'a des trucs à l'autre là, peut-être avant. Ok. J'aime bien, j'ai reçu un email de ton gift, merci. Je fais comment pour l'activer? Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a offert? Qu'est-ce qu'il t'a offert? Dis-nous ce qu'il t'a offert. Tout de suite! Pim, 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 pim. Ok. Oh! Ça sert à rien, ça. Aïe, 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 aïe. Pas de munitions. Ok. Ok. Ça devrait suffire là. Ouais. J'adore ça. Les balles qui sont figées dans le temps et puis qui partent dès que le truc disparaît. Je trouve ça trop classe. Ok, il faut que je prenne ce truc là. Ah, ok, non, non, non. En fait, non. D'accord, c'est lourd. Allez, bon, je peux le faire. Ah mais ça a servi à quoi? Hein? Ah! Non, ok, d'accord. Fallait dans l'activer un... Je me mets à faire la collection des snipers, hein. Oh là là. Oui. En fait, faut que je fasse ça. Bah non, c'est débile.
Ah non, ok. Putain, je suis con. Ah ouais, oui, je suis con. Je suis très con, là. Oh là là. Ouf, 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 ouf. C'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça. Viens là, toi. Voilà. Non, c'est du là. Non? Non quoi? Je suis perdu. Non, non quoi? Non, c'est pas la collection de sniper. Killing Floor. Ah, yes, ok. Ok. Je m'en fous. Vous avez quoi avant d'agir trop de soin, vous soigne plus vite quand vous ne sprintez pas. Ah bon? C'est bizarre comme principe. Quelle heure est-il? Oh là là, encore une demi-heure. Je pensais qu'on l'aurait bientôt fini en fait. Mais on dirait que... La fermeture de la zone a été soudaine. Certaines personnes ont été enfermées. J'ignore ce que le gaz a pu leur faire. Ouais, mais alors justement, il n'y a pas de masque à gaz là. Ok. Pas grave. On est barlaise. Ah bah voilà ce que le gaz a fait en fait. On sait maintenant. Équipez-vous d'un masque à gaz, mon ami. Bah oui, mais où? Trouver un masque à gaz, ouais, merci, ouais. Vous avez découvert récupération, régénère 25% de la santé hors combat. Oh! C'est bon ça. Visiblement, il n'y a pas de masque à gaz là. Wow. Équipe de maintenance en station de refroidissement 6. Ah, y'en a un là. Voilà. Fou. Ok. Si ça fait pas métro, ça. Il va falloir que je change les filtres aussi, c'est ça? Ah, c'est les tunnels abandonnés. Yes, sir. Je vous en prie, arrêtez. Ok, faut que j'aille là-dedans. Air, utilisez les bouteilles d'oxygène pour réapprovisionner en air, sérieusement? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non mais là c'est... Ah! C'est à peine stressant en fait. Phase de centrifugation terminée. Préparez la bulle de
position. Les soldats de Demitchev sont proches de votre position. Et votre signal commence à faiblir. Oui, bah excuse-moi, mais je fais quoi là? Faut que je grimpe. Là. Ok. Ouais, bah groom à toi aussi, excuse-moi, mais ouais, je le sens pas là. Pop, 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 pop. Ok. C'est à peine stressant. Je... Qu'est-ce qui se passe? Hein? Je sais pas trop ce qui se passe. Je peux pas passer là? Le jeu, s'il te plaît, t'abuses? Ah! Ok, ceci explique cela. Dépêche. Ça part super vite, n'empêche. Rotation dans 30 minutes. Ouais, je suis pas sûr d'avoir envie de faire mumuse avec l'augmenteur. Qu'est-ce que je fais là? De la bombe 99 dans le fou. Ok. Ah mais attends. What the fuck? What? Okay. What? Non mais, il y a un truc à prendre. Je peux plus ressortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Stop, stressé. Ah, si je passe par là. Je peux pas sauter par... Je peux pas sortir par la fenêtre. Ah, si, j'ai capté. Ça peut pas passer par là. Pourquoi ça se... Merde, des bouteilles, y'en a plus des bouteilles. Chut, putain. Non! Des bouteilles. Vous m'entendez, capitaine? Nous n'avons plus le temps, dépêchez-vous! Oui, bah, excuse-moi, mais ta gueule. Hein? Attention,
le pauvre gars. Ah, oh, c'est tellement la classe. Tous les conteneurs doivent être parfaitement sécurisés avant le transport. Remuez un masque à gaz et quittez l'installation sans attendre. Ceci n'est pas un exercice. Ah, putain, je suis dans le passé. Ah. Ok, je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Je fais quoi avec ça? Faut que je monte quelque part. J'ai gros fait sur ton stream Elki depuis. Bah je désolé mais je sais pas pourquoi. J'ai rien de mon côté qui me. Je suis désolé, je peux pas vraiment t'aider parce que je suis un peu en panique là. Ah, c'est bon, yes! Moi, j'ai pas de soucis. Vous localise à l'extérieur du centre de stockage de gaz. Continuez. Voir si c'est la même chose pour les autres. Mais moi je perds aucune frame et ma courbe de stream est nickel. Donc je peux rien faire. Tout va bien. Juste 945 images perdues, ça roule chez moi. Okay. Après les images perdues comme ça, ça vient de Twitch des fois. Désolé Marc. Les hommes de Demitchev ont activé des barrières de sécurité autour du périmètre. Trouvez un avant-poste. Il faut les désactiver. Allez, je vois, ouais. Hey, salut, ça va? Strelyayo! Ah, il est là, il est caché et tout. Putain, c'était stressant ce passage. Il faut que j'arrête aussi à un moment donné. Voilà, je fais comment pour descendre là-dedans? Voilà, je vais aller là-dedans. Non, pas comme ça. Ok. Ah là. Et c'est Chrome hein, que j'ai vu un autre streamer que c'est Chrome marchait mieux dans son flux. Chrome marche mieux pour beaucoup de choses. En fait, mais pour Twitch particulièrement. Ratatouille! Aïe! Oh putain lui! Aki aussi, je rampe comme une merde sur Twitch. Ouais, mais yeux, c'est de la merde. Je calinage avec une image sur Edge et Firefox, mais avec Chrome Impec. C'est aussi les réglages de BS que caliné avec. Ah, mais c'est pareil pour moi. Je suis désolé, mais j'ai pas le choix. Mais j'ai des réglages que. Je pense, hein. C'est moi qui pense que c'est le cas. Je peux me planter.
mais je pense que j'utilise des réglages que Twitch n'aime pas. Et du coup, je pense que je suis... Il y a des choses qui déconnent à cause de ça. Je peux pas en être sûr à 100%, mais c'est possible. Et moi, je peux pas faire autrement parce que mon ordi stream est une merde. Donc tant que j'ai pas changé de PC, tant que j'ai pas un nouveau PC jeu et que je peux pas utiliser... L'idée, c'est d'avoir un nouveau PC jeu et je passerai le PC jeu là maintenant, qui est un i7, sur le, en PC stream. Et ça devrait être nickel. Je pourrais même faire du 60 FPS, en fait. Et là, je peux pas. J'ai un i5 deuxième génération. C'est déjà bien que je puisse stream avec. Là, ça frise toutes les 20 secondes. Ouais, non, mais si ça le fait pas pour les autres, Marc, c'est que ça vient probablement de toi, malheureusement. Ok. Microsoft abandonne l'oreiller. Ouais, c'est Edge maintenant, ouais. T'es en 360p. Bah, je sais pas. Est-ce que ça te fait la même chose? Ça te fait pas la même chose sur les autres stream, Marc? De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je redémarre le stream? Ou que j'arrête? De toute façon, je vais pas tarder à arrêter. Bien joué, capitaine. Mais vous devez continuer. Le secteur va bientôt grouiller de soldats et de créatures. Ça ne fait pas ça habituellement? Ok. Bah, c'est que c'est... T'as peut-être un problème de connect aujourd'hui. Je sais pas. Par où est-ce qu'il faut que j'aille? Mais ouais, c'est Chrome, on sait jamais. Tu perds pas grand-chose à... Oh putain. Ok, je vais peut-être lâcher le snipe. Oh quoique. Mais stop, bordel. Putain, j'arrive pas à tirer sur le fucking tonneau. Panique. J'aimerais acheter soufflance parce que j'ai... Ça me fait savoir tout sur Twitch, ça rame pas ailleurs. Quoi? Il y a ce qu'on me sert pour mal faire la mission. Ok, bon, je... gérer là. Ok, apparemment ils sont pas touchables ceux-là. Ça vient de Twitch, plus ton faille, plus l'endroit où t'habites. Ouais, ça peut venir. Il y a beaucoup de causes en fait. Ça peut être la relation entre le serveur Twitch sur lequel t'es, mon serveur, le serveur sur lequel je stream, et ton FAI quoi.
Ça peut venir de plein de trucs. Faut pas oublier que moi je stream sur un serveur américain. Hein. Vous êtes en train de regarder un stream américain là, donc des fois ça aide pas ça non plus. Ok. Il y a un gros truc qui a fait boum, je le sens pas. Mais pas du tout. Oh, t'abuses là. Et je fais comment moi maintenant? Hein? J'ai rien là. Super. Tiens, si je fais ça. Non, ça sert à rien. Foiré de jeu quoi. Ok. Le 99 brut était transporté dans des wagons jusqu'au haut fourneau. Ces wagons sont votre seule voie d'accès. Pas un seeker là. Quoi? Oh, 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 oh. Ouais non mais je veux pas là en fait. Je veux pas de toute manière. Drôle. Ok. Putain, faut vraiment que j'arrête. Prochaine fois qu'il y a l'air d'être un arrêt, j'arrête. Le RLS-7, maintenez souris 2 pour tirer une roquette à tête chercheuse qui suivra la cible. Moi, j'aime bien ça. Ok, ok, ok. Ouais, enfin là, j'ai pas besoin de tête chercheuse en fait. Costote, hein. Il est où mon... Il est où? J'ai pas de Valkyrie. Oh la merde. Oh ta couille! C'est sur la TV, au smartphone, c'est encore plus simple, regarde le plus gros stream FR actuellement si ça marche. Mais après, encore une fois, enfin, je crois qu'il a dit que ça marchait ailleurs donc. Ok. Que je vais le garder en attendant en fait. C'est comme le seeker. Ouais bah excuse-moi mais... On peut avoir kill cette histoire. Mais bon. Merde genre. Ça aurait été pas mal la requête pour ouvrir le casier. Ça rame aussi sur quoi ma merde, bon, pas... Je sais pas s'il y a grand chose à faire du coup. Putain je vous aide les gars là. Mais qui sont cons.
Vous êtes teubé, ma parole, hein. Malheureusement, il est où le lance roquette? Putain, il a des pop, fait chier. C'est là où ils auraient dû mettre un seeker en fait. Ça aurait été fun. Wow. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup que je continue à les flinguer là. Ah, de dos ils ont. J'ai l'impression que dans le cul ils ont un point faible. Ils ont pas d'armure dans le cul. Ah, clic clic. Je crois que c'est le moment de se barrer. Ok. Bon. Ok, go 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 go. My man need a backup. Ouais, mais moi aussi. Mon voisin est vraiment un pauvre type. Si j'achète une fourrure d'ours, il court s'acheter une fourrure d'ours. Si j'achète de la viande en conserve, il va s'acheter de la viande en conserve. Mais si j'achète du matériel à E99, eh ben, il peut pas se le permettre. Bien fait. Je suis pas trop sûr d'avoir compris la blague. Ah! Spike shot, non. Wow, ok, d'accord. Aïe! On se calme, mesdames. Du sniper, visez les fesses, la montée, il y en a beaucoup, hein. Ah, clic, 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 clic. Aïe. Crève, 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 boum, boum. Vache. Fouf. Ce bordel. Je vais relancer le stream et j'ai fait un bond en 720p et plus de frise. Et ben voilà, mais en fait, tu te rappelles, Marc, à l'époque où il n'y avait pas de qualité pour les streamers, pour les. Il n'y avait pas d'affiliation. J'avais une commande qui disait il faut rafraîchir jusqu'à tomber sur un bon serveur. Il doit y avoir toujours la commande point d'exclamation lag. Eh ben, c'est toujours valable, hein. Si tu tombes sur un serveur tout pourri, un serveur de en tant que spectateur, quoi, eh ben. Tu devais être dans le complexe. Tu vas galérer. Il y avait tellement de 99 ici que des failles temporelles apparaissent spontanément. Bon, on s'arrête là. Trouvez une faille. Vous devez retourner en 1955 au plus vite. Ça me paraît pas mal comme pause ici, là. Qu'ils en pensaient. Je vais loot. Non, de toute façon, même si je loot, vu que c'est. Bah, vu qu'il y a eu de toute façon. Il y a sauvegarde. Ah merde, j'ai plus mon shotgun, du coup, j'ai l'air con. Ouais, je vais le prendre la main. Ouais, enfin, voilà. Donc. Ouais, non, mais c'était vraiment Twitch. Bah, c'était vraiment sur un mauvais serveur, quoi. C'est tout. Ouais, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Bon endroit pour s'arrêter. Hop hop hop. Hop hop hop. Tac tac.
J'ai utilisé un logiciel pour regarder le stream sans lag. Ça permet de lancer les streams sur VLC. Si on sait configurer le bordel, ça gère tout seul les problèmes de lag. Ouais, mais bon, après, encore une fois, s'il est sur un mauvais serveur, il est sur un mauvais serveur. Franchement, à l'époque, moi, ça m'arrivait aussi de tomber sur des mauvais serveurs pour regarder des gens. Et c'était F5 en boucle. Et puis pendant 10 minutes, puis au bout de 10 minutes, ça marchait, quoi. Enfin, bref. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, et c'était le Kinou avec l'épisode numéro 2 de Singularity, merci beaucoup et à la prochaine fois.